Salut à tous, c'est Christopho. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les propriétés de la quête. Donc, quand vous ouvrez votre projet dans l'éditeur, pour ouvrir les propriétés de la quête, vous faites clic droit sur l'élément racine de l'arbre de la quête, ou bien, et donc ouvrez les propriétés, ou bien fichier, propriétés de la quête. Il y a aussi un raccourci CTRL-P. Alors il vous donne quelques informations, enfin c'est surtout à lui de lui de vous donner à vous de lui donner des informations, pardon. La version de Solarus avec laquelle votre projet est compatible. Le dossier d'enregistrement, donc ça on a déjà vu, il faut qu'il soit unique pour. Il faut qu'aucune autre quête n'ait le même nom. Sinon, quand une quête se met à sauvegarder des fichiers, les sauvegardes aboutiront au même endroit. Alors. Si on va voir, je devrais pouvoir vous montrer l'emplacement des fichiers de sauvegarde. Je trouve. Bon, il y a, normalement, vous avez un dossier .solarus. Ah ouais, moi j'en ai plein des jeux là. Et donc, chaque jeu déclare un nom de dossier. Et donc, ils vont. Quand le jeu se met à créer des sauvegardes, ça va dans le dossier correspondant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que deux projets utilisent le même nom. Donc celui-ci c'est Tuto Quest FR Zelda. Il va être vide parce qu'on n'a pas encore utilisé on n'a rien sauvegardé jusqu'à présent. Mais dans les jeux existants, par exemple ZDX, qui est Zelda Mystery of Solarus DX, mon jeu principal, là j'en ai plein. D'ailleurs j'en ai sauvegardé. J'ai fait des petites copies de sauvegarde. Juste pour être sûr. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, titre de votre quête. Lui, il va apparaître par défaut, parce que après c'est personnalisable dans les scripts, mais par défaut il va apparaître là. Et il va aussi apparaître dans le launcher, ce que vont utiliser les utilisateurs. De même que tout ça, la plupart des autres infos en fait. Si je réduis tout. Si je lance Solarus au lieu de lancer Solarus Quest Editor, donc le launcher Solarus, chaque jeu affiche des informations ici. Donc vous retrouvez le titre à nouveau. Oui, à chaque fois le titre, une description, l'auteur, la version si elle est renseignée. Par exemple, là c'est 1.11.0, la dernière version que j'ai de Mystery of Solarus DX. Alors, nous on va essayer de le faire pour notre quête. Parce que pour l'instant, si on l'ajoute. Où est-ce qu'elle est? Si on ajoute notre projet. Voilà, il a bien un titre projet tuto. Parce que c'est la seule chose que j'ai mise. Ah, j'ai aussi dit que c'était fait par Christopho. Donc projet tuto et Christopho. Mais le reste, j'ai rien dit. Donc, ouais, après on verra aussi comment mettre un logo ici et une icône ici. Donc, déjà, faut mettre un petit résumé en une ligne. Ah bah, j'ai des bugs d'accent maintenant. Quête d'exemple pour les tutos. Et puis là, vous mettez une description. Ce projet est utilisé dans les tutoriels vidéo YouTube. Auteur. Alors, je mets pas de numéro de version. Tout est optionnel, hein, de toute manière. Vous pouvez même mettre une date, si c'est un jeu qui est déjà sorti, ou si vous avez déjà fixé la date. Et puis mettre un site web, par exemple. Hop, sauvegarder. La prochaine fois que quelqu'un lancera Solarus, voilà ce que vous avez mis apparaît ici. Il me semble que pour le moment, la ligne ici n'est pas utilisée par cette interface, mais ça pourrait un jour. On pourrait imaginer que ça s'affiche là, comme une sorte de sous-titre.
Donc voilà, je vous conseille de mettre le plus d'infos possible là-dedans. Et ça, c'est autre chose. Ça définit la taille, non pas de la fenêtre, puisque la fenêtre, on peut toujours la redimensionner, mais la taille de ce qui est affiché. La taille de l'aire de jeu, plus exactement, qu'on appelle la taille de la quête. Mais ouais, ça fera l'objet d'un tutoriel complet. Donc pour l'instant, je ne touche pas à ça. Vous avez déjà assez de travail avec ça. Et surtout que maintenant, on va essayer de mettre une belle icône et un beau logo, parce que ça fait quand même plus classe d'avoir tous ces beaux projets. Donc, ça serait bien que le vôtre il soit classe aussi. Donc, si vous allez voir la doc, donc la doc ça va devenir votre lien préféré, surtout quand on commencera à faire des scripts. Vous l'avez dans l'aide documentation. Vous pouvez faire F1 pour l'afficher directement. Donc vous tombez là-dessus. Ici vous allez voir Quest Data File Specification, Quest Logo and Icons. Là il vous dit où est-ce qu'il faut les mettre et quelle taille ils doivent avoir. Donc premièrement le logo. Si vous voulez avoir un beau logo, il faut le mettre dans logo slash logo.png et il doit avoir cette taille-là. Donc au travail. Moi j'ai juste copié le logo de Zelda Mystery of Solaris DX parce que je ne sais pas du tout dessiner des logos. Et heureusement que Neowise m'aide bien. Donc attendez, on va retrouver où est-ce qu'il est. Il est trop de jeux. ZSDX, data. Donc on doit voir le logo théoriquement. En fait, je vais juste tout copier. Enfin, je vais copier les fichiers qui sont marqués là. Il y a le logo. On va faire les choses doucement quand même. Logo.png. Théoriquement, il doit faire, si j'ai bien respecté, 200 par 140. Ouais, c'est bon. Donc, copier. Et je vais le copier dans la quête du tuto. Tuto Solarus FR. Data. Donc, je crée un dossier logo. Logo.png. Et maintenant, si je relance si je relance Solarus, tadam, le voilà. Magnifique. Le répertoire logo, il apparaît puisque on a vu. Si vous avez regardé l'épisode précédent, l'arbre de la quête affiche tout le répertoire, mais il affiche pas les PNG. Il affiche que les fichiers de ressources de type qu'il connaît et les scripts. Ceci dit, ce serait bien qu'on affiche quand même les PNG, surtout ces deux-là. Enfin, ceux-là, puisqu'ils sont vraiment utilisés par le jeu. Donc, on fera peut-être ça un de ces jours. Et puis, donc, pour l'icône, vous avez intérêt à en faire de plusieurs tailles. Plus vous en faites, donc toutes ces tailles-là sont reconnues. Et après, le Solarus va utiliser celle qu'il préfère selon les situations. Donc là, il me semble que dans ZSDX, on a vraiment exactement toutes les tailles possibles. Donc je vais toutes les copier, coller. Et puis on va recommencer. Et voilà, mon icône apparaît ici. Donc avoir plusieurs tailles, bon là il en utilise une bien particulière, mais l'interface pourrait évoluer un jour, peut-être qu'il y aura d'autres façons d'afficher les choses. Donc c'est pas mal d'avoir de toute manière plusieurs tailles. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les propriétés de la quête. Pour le moment, l'interface Solarus n'affiche que les quêtes que vous avez ajoutées par ici. Peut-être qu'un jour, même certainement, il y aura un deuxième onglet avec des propositions de quêtes de la communauté à télécharger. Et donc, je suppose qu'on les affichera de la même façon. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour vous de faire un bon logo et une bonne description pour que les gens sachent de quoi il s'agit et qu'ils aient envie de télécharger votre jeu.
Ok, c'est tout pour cet épisode sur les propriétés de la quête. N'oubliez pas de mettre des likes si vous aimez les tutoriels. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut!